Oh putain la vache. Non. Écoute mon frère, te laisse pas faire. Écoute bien ce qu'il te dit. Ouais, c'est le monde à l'envers, ton paradis désespère. La vie, c'est la jungle. Ouais, c'est Pascal. Besoin d'aide, ouais. Ouais, ça va et toi? Ouais, bon, galère un peu, là, on est perdu, là. Y a pas de carte dans les rues, là, c'est un peu galère, quoi. C'est quoi l'adresse du lieu exact? Parce que... Bah, on est à côté des PTT, là, tu sais, qui sont un peu plus loin. Ouais. Et là, tu m'as cramé ma carte avec... Tu m'as piqué tout. Bah, ouais, parce que... Comme c'était un appel, tu sais, j'ai dû faire le 16-1. Ouais, d'accord. Ouais, complètement, ouais. Et on a fait 18 morceaux, putain de merde. Ah bah, mais félicitations, putain, chapeau. Ah putain, il est où? Ah, Vincent. Eh. Oh. Allez, on y va. Oh. Allez, c'est l'heure. Saint-Étienne nous attend. Oh, c'est carré, putain. C'est sympa ta petite piole là. Bon, ils sont où les autres là? Oh putain. Oh putain. Bah Loïc, on y va là. Allez, santé, faut y aller. Allez, debout là, on a plus le temps. Allez, allez. Il est où le Pascal? Putain. Oh, Pascal. Ah mais Pascal. On y va. Hein. Allez, santé là. Hop, hop, debout. Il avait l'air sympathique le monsieur. Il était bien rouge. Ouais, est-ce que tu te concentres, c'est bien chaud. Ah bah dans le coin ils sont bien rouges. Hein. Ouais, je crois que c'est... Tu m'effaceras toutes ces bombes d'ailleurs. Ouais, j'efface tout, t'inquiète. Ok, ah ouais, t'as fini à ça. Bah, je pensais quand même utiliser une ou deux images, mais je flouterai ta tête quand même. Quoi le souci, Pascal? Bah, je trouve pas les clés de la caisse là. Ah, ça m'énerve. Toujours la même histoire quoi. Bon, ouais, on va les retrouver. Ah, bah, allez. C'est l'échelle aussi qui te manque là, non? Anything that's going to confuse us, they'll throw at us.
c'est un documentaire sur... Oui, avec tout le monde en ouvrette. Ah, c'est un film de vacances. Ce que vous faites, c'est ça, vous allez à la plage. Ouais, en fait, on est en 1991, c'est évident. Ouais, bien sûr. J'ai dit qu'on a eu une date à Monaco. Ah, ça c'est DIY quoi. C'est cher, c'est cool. Vitro et une fécondation. Oh, j'espère qu'ils sont plus vifs que nous ici. Hein. Attends, c'est carrément dans le vif qu'on va là. Ouais. Attends, je me même dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Ah bah c'est super. Qu'est-ce que c'est que ce point d'arrivée chez nous? Ah non mais attends. Eh moi je suis Zikos, hein. Je fais pas les animations pour les anniversaires. Hein. Là on va... C'est Marwani qui nous fait jouer là à Aurel. À Aurel? Ouais. D'accord, c'est où? Salut, c'est pas loin d'ici. Ouais, salut les gars. C'est dans la Drôme. Ouais, salut. D'accord, dans la Drôme. Et là, on est où là? Eh ben, là, on est à Vif, à côté de Grenoble. Ah ouais, t'es sûr? Bah ouais. Et d'accord. Ouais, salut. Hein. Ah, vous ferez des bisous à la Suisse. Hein. Ouais, ah, bisous à la Suisse. Ça s'ouvre là ou pas? Bisous, Loc. Et vous essayez de pas voler trop de trucs en Suisse. Hein. Pas donner une mauvaise image quand même. On reprend l'or des Juifs. Ah ça c'est les fous, hein, c'est bien des voleurs. Hein. T'as filmé ça? C'est bien des voleurs les fous. C'est dans la boîte. Allez viens, on y va. Allez c'est parti, on est chaud là. Bah l'autre il est con elle ou quelle? Ah la vieux, t'es où là? Klaxon. Oh là là là, le travail. Ça va, ah, ça ils va. Sont perdus allez-y, ici. Hein. Allez-y, tranquillement. On a le temps. Oh là 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 là. C'est pas, l'heure, va, de... Va, c'est pas l'heure de claquer mon gros. Tout va bien. Oh putain. Aïe 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 aïe. Oh, il nous a fait un truc de ouf là. Il est perdu les gars, complètement perdu. On est où là? Ah oui, j'ai une autre arrivée. Ah mais regarde, là il y a un panneau. Là on avait su. C'est pas ça, panneau, de là, droite, tout là. C'est pas juste ça? Ah c'est l'embrouille ce mec. Histoire, hein. Là. Eh, cette histoire là, c'est ton plan Pascal. Je crois que c'est la Condor. Ah mais moi je le connais pas en fait. Hein. Ah moi c'est fini les tournées à l'arrache les gars. Ah c'est ma dernière. Hein. Ah les vainqueurs. Ah putain, c'est les vainqueurs. Ouais. Au premier rond-point. Les mecs, ils chantent. Hey. Non, on va pas être présents les deux. Chaque fois qu'il y en a un qui corrige le travail de l'autre. Mais là, on... Non, mais attends, on va attendre le Tetris de Pascal maintenant. Bon les gars, je voudrais une véritable définition du rue d'Aplaf. Et le rue d'Aplaf. Qu'est-ce que c'est le rue d'Aplaf? C'est le réseau underground DIY autonome prix libre autogéré français. D'accord. C'est nous quoi. C'est nous. Le passage obligé à rendre des trucs plus sérieux quoi. C'est nous. Ouais d'accord. Avant de passer chez Bornban. Voilà. À toi. Moi j'ai rien à dire, moi je sais. Si c'est toi le président. Là c'est pas moi le président. C'est toi le président du rue d'Aplaf. Non. Moi, je suis président de mon groupe. En vrai, les gars, c'est moi. Hein. Mais moi, bon. Je suis moi, je suis trésorier. Vincent, il est trésorier. Moi, j'ai le trésor. Et Cham, c'est quoi? Cham. Cham, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur. Et ben, du coup, toi, Pascal, t'es quoi?
Moi, je suis rien. Hey, t'es qui d'ailleurs? Qu'est-ce que tu fous dans le captar? Tu crois que c'est pas grave? Non, c'est bouché là-bas, on peut pas. Là-bas aussi? Pour revenir en arrière. Ouais, tu vois pas? Salut Jean-Louis. Au revoir et à l'année prochaine. Voilà, alors, bon courage pour tous ces concerts. Ah merci, ça va être bien. Tout ce bloc. Vivement qu'ils inventent les caméras avec des disques durs. Hein, parce que... Ouais. C'est quoi? C'est quand même galère. Pourquoi les disques durs? Qu'est-ce que tu veux? Sinon avec des disquettes, tu vois. À chaque fois je me fais griller que je viens du futur. Oh, c'est le bordel à l'arrière là. Oh. Gagner une semaine pour aller au Pérou là. À Los Angeles au Pérou. Ah ouais, moi il me semblait que le Pérou c'était Los Angeles, c'était pas au Pérou. Ouais bah je sais pas moi. Hein. Bon c'est pas mal hein. Bon, 19 francs quand même, hein. Ça t'a coûté un peu cher cette histoire. Bon, on va passer à la lettre D les gars. Les Descendants. Docteur Dre. Daniel Balavoine. Guy Charge. Daniel Dark. Dalida. Diabolo Gomme. Death Angel. Dark Angel. Voilà, Dead Kennedys. Oh, Dead Boys. Daf. Daf. Ah, Daf. Bug Généo. Dark Project. Dolly. Julien Doré. Julien Doré. Dizzy Gillespie. DJ Crush. DJ Shadow. DJ Shadow. Dub Orchestra. Oh, Dub Improvisator. Drug Sex and Repeat. Direction sur Vette. Danny Briand. Dirouf, Dark Dark Dark. Die 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 aussi. Ah oui, Desecrator. Ah, Dorothée. 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 Dorothée, voilà. Obligé. Dynasty. Oh putain, oh. Oh. Hey. Des Miss Roussos. Oh. J'ai trouvé mon bonheur. Ah ouais, les dernières guitares. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? La basse là, 15 000 francs. 15 000 balles? Oh sérieux? C'est amusé. Ah, c'est une américaine. Ah, il paraît que les Chinois, ils commencent à en faire maintenant. C'est là où il y a marqué... T'as fait des platanes? Non, c'est sur la droite. Ouais, mais toi là, c'est bien. Ah, on joue là-dedans, ouais, la gueule noire, d'accord. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, je t'ai trouvé un petit gilet aussi. Oh putain, le sweat. Alors regarde bien. Oh, ok, c'est cool. Vendu. Toi-même. Tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça bosse les gars. Le business du zombie. Pascal, ça va aller à la fin de tournée? Oh, ça va le faire. Ouais, bon, Vincent, il t'a préparé un petit truc là. Ouais, il a changé le carbu, il t'a mis un Ponini là. Bon, pour démarrer, tu pédales. Ok. Ah, tu joues là? Par où là? Bon, là, je vais vers Montreuil. Ouais. Je vais jouer au bar des amis là. Ah, ça c'est cool. Bah allez, bah bonne route hein. Ah bah merci les mecs, c'était un plaisir en tout cas. Fais attention hein. Ouais, pas de soucis. Toulouse, 19 km. On
ça va bientôt arriver sur la rocade là. Non, non, mais. Range ta tête. Il y a un gendarme, Rangez-vous. C'est radar. C'est un radar. Regarde, ouais. Les arbres, ils sont tordus tellement. C'est tellement. Ah ouais. C'est pas clair, et bizarre. Ah ouais. Oh, chelou. Regarde, les arbres, ils sont comme ça. C'est tordu pareil. C'est tout vrillé. Les peupliers vrillés, quoi. Regarde, ils sont tous penchés. Allez-y. Déjà quand j'ai pas de surf, je suis beau. Bah quand surf, je suis trop beau. Regarde. Je suis beau. Je vois bien que je suis beau. Alors là, c'est tous les beaufs hein, qui viennent acheter une gaufre et une glace à faire de chassiron. Bien. Oh, c'est comme nous hier, hein. Nous, on l'a fait hier. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Je suis inconnu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre, il faut que ça cesse. Bien fermé, la fermeture. Aïe. Carrément la paire, quoi. On sera pas venu pour rien. On sera pas venu pour rien. Ah, merveille de la nature. Il en reste. Hey, Grenet, tu peux nous dire où c'est notre prochain concert? Monsieur, c'est interdit de filmer dans les supermarchés. Je vais la pêche, il suffit que je dorme. Ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Ça va? Vous vous amusez bien? C'est la première fois que vous venez par en concert. Pardon? Bon bah merci, bonne soirée. Ouais. Oh ouais, tu te calmes, toi. Oh, tu te calmes. Concert de Chris à Las Vegas. À bouffer les placards. Ah ouais, vas-y, bah, si, ils sont filmés. On enverra la cassette à ta Xavier n'a alors que 13 ans. Il commence déjà à ressentir les troubles de la communication avec les extraterrestres. On le voit ici en compagnie du docteur Mabrouk, fils de. En pleine expérience de communication avec les extraterrestres. Regardez tous ces fans qui nous acclament au départ. Bah, l'autre, t'assure qu'il n'y en a pas un qui essaye de monter dans le camion, nous embrasser de près. C'est cul. Fais gaffe au barbu. À nous, Lille. À nous, Lille. Vaut mieux aller à Lille chez Maurice qu'à Lille Maurice. Il va me le casser, le camion. Il va y arriver. Au revoir, je vous présente Vincent, un mec pessimiste,
qui n'a rien à voir avec Emilien. Un mec optimiste. Emilien, on gagne un peu, c'est lui, ça c'est Emilien. Emilien, à peu près combien tu m'as dit? 1500 net. Christophe, c'est combien net toi? 380. Voilà, bon bah voilà, bah, ça c'est le charbon et ça c'est les États-Unis. Voilà, donc je vais couper parce que là, ça s'appelle. Je vais appeler cet épisode la cassette de la honte. Ségolène en prison. Si tu n'es pas Ségolène en prison. I'm an Englishman in New York. Oh non, je suis pas capable de prendre tout ça. Mais mange, c'est bon. Déjà, psychologiquement, j'arrive pas. Mais vas-y, mange, c'est bon. C'est du charbon. Mais tu le croques. Attends, ouais. Mais c'est quoi pour toi? T'as quoi? Putain, c'est super bon, quoi. T'as quoi, Christophe? Mais vas-y. J'ai bu du savon. Allez, écoute. T'en manges souvent ou pas? Ah, la tête de rime. Les plans de pont, ils avaient déjà une idée de plan de pont. À la France, se repeuple en éolienne. T'as vu les éoliennes là-bas? C'est parti! Oh là. Oui, quand même, on vend des trucs à 813 euros le kilo, 5000 balles pour des oxygénements. Ça vaut 15 balles et ça pèse 0,3 grammes. Allez, allez, au revoir. Welcome in the quartier of the desert, in Lausanne, Switzerland. The Mosca of the desert. Quel morceau on fait pas? Je sais pas. On fait quel groupe? On joue quelle formation? Ouais, c'est quelle formation? Faudrait trois noms de groupe suivant la formation. Dis n'importe quoi. Parpe 1, parpe 2, parpe 3. Ah, c'est pas mal ça. Merci, je l'ai enregistré. J'y avais jamais pensé. Il y a pas mal de bourrins quand même au bar. On aime bien. Non mais c'est vrai, c'est un peu. De quoi? Il y avait personne toi. Il y avait personne. Ils ont défoncé la scène. Non. Non mais. Juste un gars avec une crête de ouf qui rigolait quand on disait des conneries. Ouais, ouais. Non, mais dans le fond, il y avait. Dans le fond. C'est un peu ambiance. Moustache. Bonjour.
des salons du château. Arthur nous emmène faire le tour de sa demeure. Ah, ça, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque de mon arrière-grand-père. C'est un endroit absolument unique. Et c'est là où, notamment, que j'ai révisé mon bac avec un de mes meilleurs amis. Voilà. On a passé une semaine enfermé ici. Non-stop, on sortait que pour déjeuner, pour regarder le loft le soir. Il y a même des passages secrets. C'est vraiment un endroit génial. Hop là. Et tous mes potes m'appellent Vicomte maintenant. Tiens, fais attention. Merci. C'est un 16. Allô, hein. Pas de fusil pour toi, hein. Ouais, non, c'est bon, j'ai qu'un juste pour Arthur. Toujours se méfier à chaque instant. C'est sale gosse. Bienvenue chez nous, c'est le salon là. Voilà. Salle de bain est derrière à droite. Derrière le sac poubelle, ouais, d'accord. Si vous cherchez les toilettes, on y arrive bientôt. Hein. Plus guest, je m'agaille plus guest. C'est qui guest? C'est toi, Astral guest? Je sais pas qui c'est, ça doit sûrement être des gros blaireaux. On est trop des stars. Merci au régisseur, à la régisson, au machiniste, au premier machiniste. Et alors... Tu râles beaucoup quand t'es au volant. Ouais. T'insultes les autres conducteurs de pute, de PD. Et ça plairait pas trop à ton pote Guillaume, et moi je trouve ça un peu limite aussi. Toi t'es toujours tellement cool et tout, et là tu te conduis, tu te métamorphoses en un mec un peu désagréable. Ça serait bien que tu finisses d'ailleurs. Hein. Ça se passe plutôt bien la route sinon. Hein. À droite putain. Oh ça y est putain, tu fais chier Charles, merde. On est... Oh le putain, trou là 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 là. Ah là là, mais n'importe quoi. On risque notre vie tous les 10 mètres. Tu peux nous expliquer ce qui se passe? Tu sais que demain, ouais, tu alors si tu veux. Tu vois ça? Ça s'appelle un porte-fusible. Tu vois si tu peux voir comment il est pété. Ouais. Là tu vois c'est pété. Donc le fusible ne peut plus tenir. Donc si le fusible ne tient pas, les fils ne peuvent pas se toucher. Si les fils ne peuvent pas se toucher, l'électricité ne peut pas arriver à l'autoradio, on ne peut pas avoir de musique. Donc on a plus de musique. On assiste au plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Bah, je viens 3 ou 4, Giovanni. Ça, c'est bon. Eh bien, non, mais vraiment. Ah, fais gaffe, j'ai vomi. Il sait plus d'où il vient. Mais il sait où il va, quoi. C'est ça qui va pas du tout. Non, mais là, arrêtez, là. Arrêtez les squats. Hein. Non, là, c'est trop, les gars. Mais non, c'est pas trop. C'est jamais trop. Là, je suis dans un moment de faiblesse. C'est l'amour. C'est l'amour, les gars. Et toi, tu sais, toi. Viens, 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 Romain. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais parce que... Tu le sais, tu vois. Et lui, il le sait aussi. Et je lui fais un gros, gros, gros oui. Bisou. T'as fermé le camion, gros. Je suis en train de le faire, là. Non, je peux pas. Je suis en train d'assumer pour tous ces blaireaux. Ouais, parce que là, c'est la merde. Regarde-moi, c'est mec. J'ai une grosse bosse de ouf, là. Là. Là, je la sens, là. Je la sens dans la caméra. Eh, passe ton doigt, là. Passe ton doigt, Joe. Chris. Oh, ah ouais, t'as un œuf de caille. Un œuf de caille, ouais. J'ai un hématome cérébral et ça tout le monde s'en fout. Un hématome cérébral. Ça a grogné, ça l'arrange bien. Ça. Hein? Chris, on va y aller? Ouais. Tu sais où on va? Non. Jamais su où on va aller.
troglodyte. Moi j'ai très mal à la mâchoire. Je sais pas ce que j'ai un truc là et je peux plus manger. Super loin. Estimation route. 5 heures. 6 heures. Ouais. 6 heures. 7 heures. 7 heures. On est dans la merde. Ouais, 7 heures, ouais. On va appeler au troglon, on annule, non? Exceptionnellement les autres jours pour accueillir des associations qui organisent des concerts. Alors on était ravis d'y retrouver Alain qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de monde, Alain s'est un petit peu énervé. Il s'est même carrément énervé, c'est un peu le dernier concert qu'il y aura là-bas. Ah ouais, malheureusement, on a un peu plongé l'association dans un chaos pas possible parce que on les a forcés à nous organiser un truc un lundi. On les a bien plombés quoi. Ouais. Prochaine date, c'est Grand Canyon. C'est-à-dire qu'on se retrouve directement propulsé du côté de pas fond du Colorado. Enfin, je veux dire, je suis jamais allé. Hein. Ça va être une grande première. C'est pour ça que la lampe est de rigueur. Ça va être rouge ou blanc selon la saison. Et si je me suis bien... Je me suis bien démerdé. Je crois que tu t'es mal démerdé. Ah, merde. On s'est peut-être mal barré, mais on va faire pour le mieux. On sera bientôt arrivé, Inch'Allah. On peut pas faire une émission avec ça, le son il était trop pourri quoi. Il était trop pourri quoi. Déjà John Mackay avec du bon son c'est pas terrible, alors là avec un son pourri. Il vaut mieux mettre Chris je pense.
gère. Il le gère trop bien. Hop, je te le pose en douceur. Allez, tranquille. À travers le parking, je prêt. Excuse-moi, pour aller à la gare. Où? C'est par là? Par le jaune. Ah, vous savez où se trouve la gare? C'est par là. C'est pas le... Est-ce que tu connais le Raymond Bar? Personne. C'est loin. Excusez-moi, on cherche la gare. Le Raymond Bar, tu connais? Vas à Millau, n'oublie pas de cramer le McDo. Ouais, alors le colle pas trop lui là-bas. Elle roule moins vite franchement. Là ça vaut pas le coup. Bon, déjà, il va nous falloir une demi-heure pour arriver en bas. Déjà. D'avoir pour un mec qui nous a fait au caps. On est arrivé dans une phase du voyage où on en est à un point où il est trop tard pour dire qu'on a... Ben voilà, c'est trop tard. Je suis perdu, hein, mon feuillet. Tu veux dire ? Eh, bande de fils de... Eh, ils font quoi, sérieux ? Tu redis plus jamais ça, pardon. Tu redis plus jamais. Fils de prolétaire. C'est fini la tournée, les gars. Je veux pas que ça s'arrête. Les rock'n'roll jusqu'au bout, hein. On aura bien rigolé. Merci Smo d'assumer. Merci Monsieur Sarkozy. Qui nous permet de faire des tas de trucs comme ça encore plus. C'est génial. Clair. Et en alpha on est bien sûr. Les gars, ça va le faire, vous êtes pas trop serré? Non. Ça va aller? Ça va. C'est gentil de s'en sortir. Moi sinon vous pouvez me faire des trucs, hein, j'entends. À l'avant aussi, ça va, tranquille. Moi ça va là, je suis pas mal, j'ai de la place. Excuse-moi, ça passe pas là. Oh si ça passe. Si on était passé en dessous, on serait pas arrivé là, on serait arrivé là-bas. Ah ouais, tu crois? Bah carrément, parce que là, la route elle est plus là. We'll be right back.
On est arrivé. Quand t'es pas accordé et que tu sens que ça sonne pas vraiment juste tout le temps du concert. Mais ouais, mais tu l'as fait juste avant. Mais j'avais pas le choix, sinon j'aurais pété une corde. Pourquoi tu l'as pas fait ce matin? Parce que j'avais toujours à foutre. Et je l'emmène. Dans le camion. J'ai cherché des croissants. Okay. J'étais de chercher un croissant. Ouais. Pour ça que je peux plus changer mes cordes. Ma corde t'en fout. Il filme pour là. T'as que ça à foutre. Elle va t'installer toi, qu'est-ce que tu fous? Bah ouais, ça y est, je suis prêt bébé. Bah et donc, il a pas fait ses voix, il a pas... Il est prêt, il est pas là. Il est pas là, ce gros con. Putain, on va lui ramener une baguette, tu cherches une baguette. Mais j'en ai plein en sac. Ah ouais, c'est juste à toi qu'il a pas demandé. Marco, qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Je te demande ce que t'en penses. Moi je suis plutôt pour. Par rapport à quoi? Enfin je veux dire, qu'est-ce qui motive un pour? Qu'est-ce qui pourrait motiver un pour? Bah vu la conjoncture actuelle, je pense que ça serait une folie d'être contre en fait. Être contre c'est se placer du côté du passé. Se placer, c'est appartenir à un régime ancien de la vérité, alors qu'être pour, c'est précisément aller de l'avant et il est évident que j'aimerais bien être politicien parce que j'aime bien parler pour ne rien dire, faire des phrases pour meubler un peu le silence sans aucun intérêt.
Je sais pas si je suis assez fort pour ça. En tout cas, je souhaite me perfectionner là-dedans. Parce que c'est important. L'important, ce n'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. C'est de le laisser penser. N'est-ce pas? Mais dans le cas d'un... Dans le cas d'un remembrement, enfin comme ça, de part et d'autre. Oui, je sais, ça vous paraît absurde, mais... Dans le cas d'un remembrement de part et d'autre, comme je le disais précédemment, dans le cas d'un remembrement de part et d'autre, il est évident qu'il faudrait saisir les tenants et les aboutissants de cette restructuration. Mais la situation étant ce qu'elle est, il faut peser le pour et le contre, faire un inventaire de ce qui est là et de ce que nous amènerait cette future réforme. Merci Marc-Antoine Sellière. On compte 1h30 de balance pour presque maudit par jour. Ouais voilà, on va arriver très tôt. Moi je suis français, je t'emmerde. Faudra faire demi-tour à un moment, ça c'est sûr. Tu vois, c'est là. Ça c'est ça, grande zéro. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire demi-tour à gauche. C'est un peu cravin, non? Ça a l'air un peu craignos. Ça a l'air très propre. Oh là 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 là. Oh ya 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 ya. Oh la vache. Il y a des freins, non? Allo EDF, je suis une petite couille d'électricité là dans l'appart. Je sais pas, ça s'allume, ça s'éteint. Ouais, voilà. Oh, ça pue. Besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, les gars. Complètement là. C'est affreux. Complètement là, hein. Ça passe. Parce que moi, je suis allergique aux poils de chat. Laissez-moi prendre. Allez, on se fait. Regarde, son truc, c'est une serviette. Tu es sérieux, j'ai dit. Regarde, il y a du sang dessus. Damien, il avait pas envie de faire un créneau, putain. Je te le dis. Ah, c'est le transporteur de gamme. Mais tu Your mother, and don't have no mercy in this town.
petite tête hein, quand même. T'es bien. Je sais pas, t'es bien, bien marqué. Là. Ah, merci Will, bon essai là. Je dors pas assez, Mais là, on l'a passé le poste. Non, ça c'est les Suisses. Il y a un poste en Suisse, Ils en avaient rien à faire, ils regardaient même pas. C'est maintenant, les Français, ils vont être sur les mers. Là. En plus, moi, avec ma fiche S, ils vont... Mais t'as pas de pièce d'identité, alors tu peux dire que tu t'appelles Nathalie Portman. Bonjour, la pièce d'identité, messieurs, s'il vous plaît. Oui. Putain. Votre destination ? Lyon. Lyon, ouais. Et vous arrivez Bonjour. De Genève. Vous faisiez quoi sur Genève ? On était allé voir des amis qui ont un bar associatif. D'accord. Voilà. On fait un ouais, on fait des concerts. Mes papiers dans ma voiture, j'ai une carte vitale, je sais pas si ça vous va. Retour sur Suisse. Hein ? De quoi ? Votre papier, monsieur. Ouais, ouais, attendez, je cherche. Vous avez votre pièce d'identité ? Bah, j'ai tout laissé dans ma bagnole en France. Après, j'ai tout mon... Et vous résidez où ? À Grenoble. Il n'y a rien qui me le prouve, quoi. Quand c'est la frontière, moi je vous refoule de l'autre côté. Hein. Moi, vous restez en Suisse. Hein. J'ai tous mes... Non, mais monsieur, on a un concert à Lyon, là, ce soir. Allez, prenez vos pièces d'identité, parce que vous allez vous faire refouler. Hein. On a des consignes strictes. Hein. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Allez. Merci. 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 Contre retourner, les gars. T'aurais peut-être pu lui demander de nous filer 100 balles, je suis sûr, ça aurait ouais. marché. Bien vu, on a des consignes strictes. Bah oui, c'est vachement strict. T'imagines en... Bon, prenez vos papiers, vous dégagez, je veux plus vous voir, nous on a du boulot, on a des consignes strictes. Non mais c'est ça, ils ont vu ta gueule, ils sont cons. Allô Daesh ? Bon, on a un pur plan là. Vous faites passer pour un groupe de rock en tournée. Mettez un barbu au volant et son bijou. Musique de mec, belle version musicale, oui. Putain, j'aurais dû laisser la caméra allumée, quoi. Mais ouais. Oh yes. Tu non. T'as filmé. Comment tu t'appelles? Oh non, c'est notre pote de droite, quoi. Tu parles de l'Australie? Ouais. Ouais. Tu l'as vu sa couverture du New Noise? Il a été le chercher ce matin. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? Eh ben en fait, c'est parce qu'il y a un nouveau groupe qui marche bien en ce moment, tu sais. Ah, yes. Les Marine Rambo. Voilà. Et putain, c'est ouf. Apparemment, ils sont chroniqués dans Nose. Et je croyais que c'était un groupe trop peu connu. Trop méconnu. Ouais, mais vu que maintenant c'est le Big Nose Mag, en fait, ils se sont fait de la promo. Voilà. Ouais, c'est un magazine. Excellent. Que j'ai monté avec un pote. Pardon? C'est un magazine que j'ai monté avec un pote. Il s'appelle Philippe fait des manœuvres. C'est toi le pote? Non. Philippe fait des manœuvres. Il s'appelle Philippe Créneau. Yes. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a toutes les dates de la tournée des Smacks de Marilyn. Par contre, le guitariste, il a pris un peu cher, non? Ouais. Vincent, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas interview à chaud, là. Je me sens pas bien. T'as fait un regard caméra, je crois. Je peux pas tenir cette bête. C'est quoi, t'as pas eu la dose de chips? Grave la dalle. Il est arrivé à 6 heures. J'ai bouffé je sais pas quoi. Ça me gratte à mort. Je sais pas, mais il se passe pas grand chose dans ce film. Mais tu vas lâcher ton compte téléphone de merde, hein? Mais non, tu lâcherais pas du tout. Non, j'envoie toi, un texto. Tu veux la lâcher ta caméra de merde? Oh putain, les relous. Ok, Vincent, donc là, t'en es où? Bah là, je suis un échauffement. Tu rentres sur le ring dans à peu près 7 secondes? Ouais. Et sinon? Bah, je fais chauffement sur une serviette. Ok. Parce que je joue avec Patrick Sébastien tout à l'heure. Je vais faire tourner les serviettes. Ok. Du coup, bah, je m'échauffe. Mais ça tourne pas là, on est d'accord, ça tourne pas. Bah, en fait, très progressif. Ok. Salut Grolet. Donc, tu rentres sur le ring dans 7 secondes. Ouais. Alors là, t'en es où? Chaud. Ok. Ça va comment, tes douleurs intercostales? Ça fait hyper mal.
Et sinon là tu fais quoi? Je m'entraîne pour jouer avec Patrick Sébastien. Marilyn Rambeau. Imagine un duo avec le charme de Miss Marilyn Monroe et les testostérones de Mr. John Rambeau. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Eh bien, en musique, ça donne Marilyn Rambeau. Un autre duo français qui tâche, des riffs hachés. Un son clair, une batterie ahurissante, pas de chant. Le tout pour un truc aussi compliqué qu'énergique. J'aime bien prendre les gens pour prendre en photo les autres. Okay. Bon, là, il y a un problème. Les gens sont en train de prendre. Hyper bien, il fait beau, c'est fluide, hein, ça roule. Moi ça y est, je me suis pissé dessus, donc c'est bon maintenant. Hyper promo, hyper massacre. Tant que vous êtes pauvres, tant que vous avez plein de problèmes. Donc vous avez plein de problèmes, donc j'ai une solution. Ouais, c'est ça, ça va te faire rêver, tu vas voir. La solution, c'est si vous avez plein de problèmes, vous n'avez qu'à vous droguer. Comme ça, vous n'aurez plus qu'un seul problème. Sale gueule. Merde, je suis pas bien. Ah, ah le bâtard. Il se passe un truc de ouf en fait, j'ai pété la caméra, d'accord, c'est ça qui se passe. Là c'est un record là. Ouais je sais, c'est un record mais il se passe que des trucs complètement gueulins, j'aime beaucoup. Mais quand même, on me demande si j'ai pété la caméra ou pas, on est d'accord.
Ah, on peut peut-être aller jusqu'à la com d'ici, non? Ah, il y a une petite cuisine. Filme autre chose, Aurélien, que là, c'est nul à chier, ça. C'est très beau. Très beau. Wesh, les gars. Ça va, mec.